C'est en la paroisse de l'Ascension du Seigneur au kilomètre 4 que les fidèles de l'Église orthodoxe ont commémoré la fête de l'Ascension du Christ 40 jours après la fête de Pâques en Orient. Marquant la fin du temps de Jésus sur terre, cette célébration de l'Ascension a permis à ses fidèles d'honorer le Seigneur Jésus-Christ. Parole de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Écriture sainte nous exprime de façon imagée que Jésus-Christ regarde la résidence de Dieu. Bien sûr, n'habite plus le ciel qui est au-dessus de nous que la terre ici-bas. Dieu est invisible, il est infini, il est au-delà du temps et de l'espace, du corps et de la matière. Rien ne peut le limiter. Il est partout présent en tout tour. Combien stupide était la remarque de ceux. Cette célébration a donné lieu à la scène sainte qui marque le dernier repas pris par Jésus-Christ avec ses apôtres. Les émotions sont grandieuses. Dans quel sens? Parce que, comme venait de dire le Père, nous avions eu un grand combat, nous avons eu des menaces par-ci par-là et nous voulions que notre archidiocèse soit unie et nous faisons la marche ensemble. Un moment important pour les fidèles de l'Église orthodoxe. Et pour nous, les orthodoxes du Congo, Brazzaville, c'est un moment très spécial parce qu'en amont, nous avons eu des réunions pour ramener l'équilibre, l'harmonie, l'unité dans notre Église et afin que nous puissions nous libérer de telle sorte que quand viendra le paraclet, qu'il nous trouve tous propres et dans l'unité. Pour les chrétiens, cette fête commémore le jour où le Christ est allé au ciel et s'est assis à la droite du Père.